Bienvenue sur la chaîne Dylan Gaming. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc un petit peu spéciale. Bon, non, on ne va pas parler tout de suite de l'arrêt de la chaîne, ce qui est totalement faux. Tout le monde fait ça aujourd'hui, mais non, ce n'est pas là-dessus. Je voulais vous annoncer un live pendant les vacances. Donc, pour les 100 abonnés, je vais décider de faire un live. Mes potos n'ont pas pu dire oui pour ce mercredi, donc du coup on dira oui pour la semaine prochaine, la semaine des vacances. Donc voilà, il y aura peut-être plus de monde aussi, ça sera peut-être mieux même. Donc je sais, j'ai une coupe un petit peu dégueulasse. Bon voilà, le mercredi il fait pas très beau et on s'amuse au truc ça. En tout cas, donc merci à vous d'être abonné à ma chaîne. On est donc 106, donc voilà, ça augmente, c'est pas mal. Donc le live aura lieu avec Guillaume, Benjamin, Younes, moi, Étienne et peut-être, s'il peut, Gabin. Bon, cette fois, j'espère qu'il pourra. Ça serait pas mal. Parce que bon, avec Gabin, on est quand même youtubeur et on est quand même donc dans la même famille. Pas famille, non, famille. Voilà, donc j'ai pas fait l'erreur, donc il y aura Guillaume, Benjamin, moi, Étienne et Gabin. Voilà, s'ils peuvent venir. Ça se passera au lieu dit le Bois Vert à Saint-Florent-sur-Cher. Plus particulièrement l'ancienne carrière du viaduc. Voilà. Donc ça devrait être très très bien ici. On pourra, au moins le terrain pourra être retourné. Il y est déjà. Mais on pourra le retourner encore plus. Ça sera déjà pas mal. Merci à la commune de Saint-Florent qui a bien voulu qu'on utilise ce terrain-là, qu'on dit que ça craignait rien, donc c'est très bien. Merci à la commune de Saint-Florent, merci beaucoup à vous de vous être abonné à ma chaîne. C'est pas fini car on va parler d'un truc sur YouTube qui se passe en ce moment même. Donc je souhaitais en parler, tout particulièrement dans mes prochaines vidéos. Je voulais en parler, mais j'en parle maintenant car apparemment c'est très très critique. On a des bids, BIDES, sur nos chaînes actuelles. Donc rappelez-vous de ce gros bid qu'on avait eu 83 abonnés alors qu'on était presque arrivé au 100. Désolé pour le petit placement de produit Eastpark. Alors qu'on était presque au 100. Ça a été dur. Rappelez-vous, on était à 83 abonnés. On se retrouve à 100 abonnés. Ça a été dur. Mais on a remonté la pente. On est arrivé à 106. Et c'est très bien. Donc en fait, YouTube change ses algorithmes. Ça veut dire que ça va changer. C'est un moteur automatique qui va dire, lui, faut le mettre sur la page des tendances. Lui, il faut l'enlever de la page des tendances. Et il faut le laisser là. Tac. C'est lui qui va mettre les nombres d'abonnés. Tiens, lui, là. Deux abonnés en plus. Flaf. Deux abonnés en plus, etc. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, il y a des personnes qui cherchent à bider le moteur qui nous fait ça. Ça veut dire que YouTube change les algorithmes pour ne plus qu'on bide. Donc ça change tout sur nos chaînes. Le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre d'abonnés et le nombre de commentaires. Donc tout ce qu'il y a en nombre. Il y a aussi quelques bugs qui apparaissent sur les vidéos, comme la qualité, qui normalement devait être bonne. Sur la mienne, des fois, c'est pas très bon, je l'avoue. Et le temps, qui n'est généralement pas le bon temps. Voilà. C'est des remarques qui ont été faites. Voilà, j'espère que ça va être réglé, en tout cas, parce que c'est un gros problème. Et pour les grands youtubeurs, ça va. Ceux qui ont 1 million d'abonnés, ceux que. Voilà. Ils vont faire des vidéos, ils vont avoir moins de vues, mais ils vont gagner toujours des sous. Ils vont pouvoir vivre, aller se promener, être bien. Alors que nous, petits youtubeurs, on va se dire, on a 100 abonnés, on est encore petit. On a envie de se développer. Notre chaîne a envie d'être dans les 1 million. Ce problème, c'est qu'on ne l'a pas. YouTube n'a pas réussi. À changer ses algorithmes, et ben à ne pas enlever des nombres d'abonnés. Et donc du coup nous on peine.
Et on redescend à certains niveaux qu'on ne devrait pas redescendre habituellement. C'est l'hécatombe. Donc du coup, on perd courage et on arrête notre chaîne. Ce qu'on ne devrait pas faire. Je vous rappelle que YouTube, faut jamais lâcher YouTube. Des surprises apparaissent. Combien de fois je me suis dit, ah c'est bon là. Aujourd'hui t'arrêtes, c'est terminé. YouTube, t'es pas fait pour YouTube. Combien de fois j'ai continué, j'ai suivi mes intentions et j'ai continué et aujourd'hui j'ai 100 abonnés. L'objectif que je m'étais atteint. Peut-être que dans un mois je vais avoir les 200. Peut-être que dans 2 mois je vais avoir les 300. Peut-être les 1000. Peut-être les 20 000. Peut-être les 100 000. Peut-être les 1 million. Un jour. C'est en suivant ces intentions qu'on peut suivre notre route et gagner des choses sur YouTube. YouTube, c'est pas que faire des vidéos. C'est tenir bon sa chaîne, la tenir en bonne place. Donc voilà. Au lieu de regarder comme certains YouTubeurs le font, regardez le nombre de vues qui se disent, oh ben j'ai fait 100 vues, j'ai fait 50 vues, c'est pas assez. Pas des petits YouTubeurs. Parce que bon, voilà, c'est pas assez, je devrais en faire plus. Ben non, c'est déjà bien. C'est comme le nombre de j'aime. Punaise, mais j'ai 100 abonnés, j'ai que 20 j'aime. Ben non. C'est déjà bien la proportion de j'aime et de j'aime pas. Voilà. C'est ça. Bon, désolé d'avoir parlé de ça, mais il fallait en parler. C'est normal. Voilà, donc. Live, donc, pendant les vacances, il y aura même plusieurs lives, je pense. Avec les potos, ce serait bien, ce serait pas mal. Vous pouvez mettre en commentaire ceux qui habitent pas très loin de Saint-Florent qui pourraient venir. Des fois, ça peut vous intéresser. Sinon, pour ceux que j'ai déjà demandé s'ils veulent venir, ils peuvent le mettre en commentaire, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, j'espère que ça a plu. Désolé pour le petit coup de gueule, mais il fallait bien qu'on le pousse. Alors, moi, je vous souhaite de bonnes vidéos.